Il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. La voix de l'Éternel est ici. Elle est là. Elle est ici. Elle est ici. Ici, la gloire de l'Éternel est ici. Il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel est ici. Alléluia. Nous pouvons lire dans le livre de Marc, chapitre 16, le verset 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Croire, c'est accepter l'évangile de Jésus-Christ, accepter Jésus-Christ dans sa vie, recevoir sa parole dans son cœur. Et quelle est cette parole? La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 10, à partir du verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses, si de ta bouche comme ça, tu prends la décision pour dire, moi, à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de suivre Jésus de toute ma vie, de confier ma vie à Jésus-Christ pour toute ma vie, la Bible dit, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Ce qui veut dire que celui qui croit en Jésus-Christ ne sera pas dans la confusion. Celui qui croit en Jésus ne sera pas dans les tourmentes de sorcellerie, les tourmentes d'envoûtement, les tourmentes des problèmes, et tout ce que Jésus t'a envoyé. Le Seigneur en Jésus ne peut pas. Voilà, les esprits se lèvent. Alléluia. 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 J'étais aussi dans le monde. J'étais dans la drogue, dans la vie de délinquance. Je ne connais pas le nom de Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui m'a fait grâce pour me sortir de la délinquance. Et c'est même dans une chambre de passage que Jésus m'a délivré. Et il a commencé à transformer ma vie. Sinon, j'étais un grand voyou. J'étais comme ça. J'étais comme ça aussi avant. Un peu comme ça. Mais le Seigneur m'a libéré. Le Seigneur m'a délivré. Et le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Et c'est parce que j'ai vu sa main dans ma vie, sur ma vie, que j'ai dit, bon, j'abandonne tout pour le suivre. J'abandonne même les plaisirs de la jeunesse, tout ça. J'ai laissé tout ça là. Pour dire là, ma vie, c'est Jésus ou rien. Donc toi aussi, écris dans ton cœur que
désormais ta vie, c'est Jésus ou rien. Ce que nous sommes en train de faire, bon, physiquement, ça peut avoir l'air banal. Mais spirituellement, c'est quelque chose de terrible. Parce que la Bible dit que lorsque un seul pécheur se répand, c'est tout le ciel qui se met en joie. Donc, à cause de vous, aujourd'hui même, dès que tu vas prendre la décision, le ciel va se mettre en fête. Parce que Dieu t'est dans les ténèbres, Jésus veut te sortir des ténèbres. Donc, tu es en train de donner permission à Jésus, autorisation à Jésus pour dire, bon, je te laisse ma vie, je te confie ma vie, fais de ma vie ce que tu veux. Et là, lui, il agit pour te libérer complètement. Quand je parle, ce que l'Esprit de Dieu me dit, c'est que le Seigneur veut faire de toi son serviteur. Alléluia. Le Seigneur me donne le nom Pasteur Timothée. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Le Seigneur veut t'utiliser. Il t'appelle à son nom. Désormais, tu ne t'appelles plus le nom que les gens te connaissent, mais ton nom que Jésus te connaît. Ils ont vu l'appel. C'est Timothée. Alléluia. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. J'ai reçu fortement cette voix en moi. Donc, vraiment, il faut que ton engagement soit réellement fort pour Jésus. Et tu vas témoigner. Les hommes te disent, hein, voilà, il est rentré dans la folie, il est rentré dans cela. Mais je te dis, tiens, bon, parce que toi-même, tu vas vivre ça. Alléluia. Tu vas poser les mains, malades, les malades seront guéris. Amen. Le Seigneur va te transférer son pouvoir. Parce qu'il a dit, je vous donne le pouvoir. Regardez ce qu'il dit dans Marc. Voici, dans Marc 16, verset 17. Il dit, voilà, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, le pouvoir que nous voulons exercer sur toi, c'est que dès le moment que tu acceptes Jésus dans ta vie, toi aussi tu reçois le pouvoir. Alléluia. Et sans nous, tu peux prier Jésus n'importe où et il va agir dans ta vie. Ton enfant a un petit souci, tu imposes les mains, tu appelles Jésus, Jésus descend pour opérer dans sa vie. C'est ce qui est merveilleux en Jésus. Alléluia. Tu n'as plus besoin, tu n'as pas besoin forcément d'appeler quelqu'un pour dire, ah vraiment, j'ai... Non. Dès que tu crois en Jésus-Christ, dès que tu es engagé, son esprit commence par agir dans ta vie. Parce que là, tu es devenu un citoyen du ciel. Alléluia. Voilà. Donc, il dit, je vous voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne les feront point de mal. Et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, il y a tellement de bénédictions dans ça. Quand on dit que tu vas saisir des serpents, c'est que tout ce qui est esprit qui condamne ta vie, tout ce qui est esprit qui hante ta famille, dès que toi tu donnes ta vie à Jésus là, toi tu deviens comme un grand chef spirituel et tu vas te taire les sorciers qui hantent la famille là. Quand toi tu t'approches, c'est respect parce qu'il y a une forte lumière qui est en toi. Quand tu te déplaces, cette lumière chasse tout ce qui est des ténèbres. Alléluia. Ça, c'est les bénéfices. Déjà sur terre, là, ça, c'est rien que des bénéfices. On t'envoûte. Regarde, tu es allé à un enterrement. Et certainement, ce qui est arrivé, soit tu as mis ton pied par terre. Parce que moi, je sais comment ça se passe. Soit tu as mis... Peut-être tu t'es déchaussé et tu as mis ton pied par terre. Et quand ils voient comme ça, ils vont ramasser le sable et puis c'est fini pour eux.
ou soit ils ont pris quelque chose sur toi, ou soit ils ont versé quelque chose dans ta chaussure, ou soit même la nourriture que tu as qu'on a servi, ou la boisson ou quelque chose du genre, alléluia, soit ces choses là sont envoûtés. Oui, salut. Comment tu vas? Que le Seigneur Jésus te bénisse. Alléluia. Ok, je vois. Alléluia. Donc, petit à petit, c'est que toi-même, tu vas commencer par la puissance qui est en Jésus-Christ. Et cette puissance-là, c'est une force qui est en toi, et partout où tu es, cette force là tu peux les déployer, tu peux les exercer librement pour sauver tes vies. Je vous dis la vérité, ce que le Seigneur veut, c'est vraiment la foi. Il faut que tu crois que ce que tu lui demandes, il est capable de le faire, et il le fait. C'est pour ça que vous pouvez voir dans nos vidéos, on invoque le nom de Jésus et des esprits qui sont dans les gens commence pas à crier, commence pas à se rouler par terre et sort. Donc c'est Jésus qui est capable de le faire, et il le donne gratuitement à tout le monde. Et je vous dis, par vous, la lumière descend dans votre famille. C'est vrai, au début, ils vont beaucoup vous combattre, et c'est en voyant que toutes les missiles qu'ils lancent désormais contre toi ne marchent pas, c'est là maintenant toi tu vas les gagner pour Jésus. Tu vas dire, voilà, moi j'ai vu une force et je vous invite à donner votre vie à Jésus. Et c'est comme ça, le Seigneur va t'utiliser. Le Seigneur veut puissamment t'utiliser. Dans cette contrée-là, le Seigneur veut t'utiliser et tu vas voir. Je vous dis la vérité. Donc c'est cette puissance-là qui est désormais à toi. Même si on t'envoûte, même si on te lance des missiles, même si on te fait ci, on te fait ça, Jésus-Christ est désormais ton bouclier. Il te protège, il te couvre par son sang. Il faut que tu médites la parole. Tu médites la parole, tu médites la parole. Et tu vas, et ta vie va, sera remplie de la parole. Parce que la parole, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, voilà. Vous allez ouvrir vos mains et répétez avec moi. Vous allez répéter avec moi. Vous allez dire, Seigneur Jésus, moi ton fils, je te remercie pour ta grâce dans ma vie. Je ne te connaissais pas, mais aujourd'hui, tu es venu jusqu'à moi. Tu as envoyé tes serviteurs pour me parler, pour m'enseigner. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et mon cœur est touché. Seigneur Jésus, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Et j'ai grandi dans le péché. Mais aujourd'hui, je prends la décision de renoncer au péché, de me repentir. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour ma vie passée. Je te demande pardon pour ma vie d'idolâtrie. Je te demande un pardon pour toutes mes iniquités, de te servir, de marcher avec toi, de t'appartenir. Seigneur Jésus, efface mon nom du livre de l'enfer. Écris mon nom dans le livre de vie. Écris mon nom au ciel. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je renonce à la vie d'iniquité. Je renonce au péché. Je renonce à l'idolâtrie. Je renonce à l'impudicité. L'impudicité.
Je renonce à la mondanité. Je renonce à tout ce qui est catholique. Je renonce à tout ce qui est religieux. Je rejette le diable. Je rejette toutes ses œuvres. Et je prends la décision d'appartenir à Jésus-Christ. De marcher avec Jésus-Christ. De te servir dans la vérité. Dans la sainteté. Dans la sanctification. Dans la soumission. Dans l'intégrité. Dans la fidélité. Dans l'obéissance. Seigneur Jésus, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. J'ai perdu trop de temps sans te connaître. Mais aujourd'hui, tu m'as fait grâce de te connaître. Pour le reste de mes jours sur terre, je vais te servir. Je vais faire ta volonté. Seigneur Jésus, sème ta volonté dans mon cœur. Sème. Seigneur Jésus, que ta lumière me visite. Que ta lumière me visite. Que ta lumière me visite. Et que les ténèbres s'enfuient loin de moi. Seigneur Jésus, je n'appartiens plus aux ténèbres. Mais j'appartiens à ta lumière. Seigneur Jésus, désormais, compte-moi parmi tes serviteurs. Je veux te servir. Je veux te servir. Seigneur Jésus, je veux faire connaître ton nom autour de moi. Donne-moi la force. Donne-moi la puissance. Donne-moi la capacité. Seigneur Jésus, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Seigneur Jésus, donne-moi de l'eau vive. Donne-moi de l'eau vive. Donne-moi de l'eau vive. Seigneur Jésus, les chaînes qui m'ont lié, les chaînes de sorcellerie, les chaînes d'envoûtement, les chaînes de maladie, les chaînes de famille qui m'ont lié. Seigneur Jésus, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur Jésus, délivre-moi. Seigneur Jésus, délivre-moi. Seigneur Jésus, délivre-moi. Seigneur Jésus, délivre-moi. Délivre-moi des malédictions. Délivre-moi des malédictions. Délivre-moi des chaînes de famille. Délivre-moi des liens ancestrales. Seigneur Jésus, aide-moi. 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 Seigneur Jésus, détache mes liens. 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 Détache mes liens, Seigneur Jésus. Seigneur, sème dans mon cœur ton amour, ta paix, ta joie, ta grâce. Seigneur Jésus, je veux te servir. Moi et ma maison. Moi et ma famille. Je veux te servir. Je te confie mon foyer. Je te confie ma famille. Seigneur, viens régner dans ma vie. Seigneur, viens régner dans ma maison. Seigneur, viens régner dans ma famille. Seigneur Jésus, le jour la trompette va sonner. Seigneur, fais-moi grâce de monter dans ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu es dans les ténèbres, Saint Dieu, ne t'en fais pas. Quand j'étais dans les ténèbres, Saint Jésus, sans espoir, mais nous avons trouvé le Seigneur. Quand nous avons trouvé le Seigneur, quand
car nous avons trouvé le Seigneur. Il nous a donné la vie, car nous avons trouvé le Seigneur. Car nous avons trouvé le Seigneur. Car nous avons trouvé le Seigneur. Il nous a donné la paix. Quand j'étais dans le ténèbres, sans Jésus et sans espoir, quand j'étais dans mes péchés, sans Jésus et sans espoir, mais nous avons trouvé le Seigneur. Quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné l'amour. Quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné la paix. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. D'abord, nous allons bénir le Seigneur Jésus-Christ qui a disposé, a favorisé d'abord le terrain, a disposé le cœur. Bien-aimé, tu comptes. Alléluia. Amen. Vous savez, le Seigneur veut faire quelque chose de très, très grand. Spirituellement, quelque chose de surpassé. Le Seigneur a changé de statut. J'ai été la même personne. La personne qu'on avait connue tout à l'heure est déjà une nouvelle personne avec des rejets à la personne de Jésus. Nous allons bénir le Seigneur et vraiment ce miracle, c'est un grand miracle qui veut opérer dans la vie de son serviteur, qui va nous utiliser puissamment ici. Pour ça que la personne qu'on va lever son roi va trouver une grande église. Alléluia. En tout cas, je vois déjà l'emplacement là. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons bénir le Seigneur Jésus-Christ vraiment. Pour ce miracle, pour sa présence, il est bien, pour son assistance, élevons nos voix et prions. Oh Seigneur, je vous remercie, Dieu de la guérison. Dieu qui a ce que chacun sa part, nous avons fait bénir. Seigneur Jésus, pour le travail que tu as commencé à faire, Seigneur Jésus, il n'y a personne ici à faire à ce que tu as fait. On ne parle pas de nous assurer, le statut qui est malade, le statut condamné, je dois changer en statut de serviteur de l'éternel. Seigneur Jésus, ce que tu as fait, merci pour la vie que tu as produite. Papa, il pouvait mourir depuis des mois, parce que Seigneur Jésus, ta main. Les esprits qui travaillaient ici, ça annonçait déjà, on ne commençait pas à se manifester par la vie de personne. Nous allons prier, la Bible dit que nous ne pouvons entrer dans la maison de nos corps, piller ses biens. Le bien qu'on veut piller, qu'on veut prendre, c'est là mon frère. Alléluia. Nous allons lire l'enfant, le chef spirituel maléfique de cette maison, doit tomber sur nous. Nous allons prier les ligotons. Seigneur Jésus,
Je te saisis et je t'enchaîne. Je te saisis et je t'enchaîne. Je te jette hors de cette maison. Seigneur Jésus-Christ, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, nous allons prier. On va demander que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout ce qui se passe. Que l'Esprit de Dieu révèle tout ce qui est caché dans cette maison. Non seulement révèle, mais aussi manifeste aussi sa grâce encore dans la vie du bien-aimé Timothée, qui le guérisse. Moi, je sais que Dieu l'a guéri. Parce que le Timothée, que moi je prenne la parole, n'a pas de plaie. Alléluia. On sait Timothée très important qui annonce la parole de Dieu. Et c'est ce Timothée que tu es à part d'aujourd'hui. On va prier, on va demander que l'Esprit de Dieu descende. Que l'Esprit qui révèle, l'Esprit qui sent toutes choses descende dans ce lieu. Seigneur, frère, je crains moi, papa, je suis cet esprit, papa, parce que nous avons besoin de ta présence. Cet esprit, je prie que tu descends, que tu manifestes ta force sur eux. Seigneur Jésus-Christ, papa, nous voulons te confier ce moment. Cet esprit, je te prie de descendre. Esprit de Dieu, je te prie de descendre. Oh, esprit de révélation, toi qui révèles les choses cachées, toi qui fais dire à Jérémie un peu pour moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes, des choses que tu ne connaissais pas. Toutes les choses, oh papa, que nous suivons dans cette maison, dans la vie de nos serviteurs, soit révélé au nom de Jésus. Que cela soit révélé par ta vie sociale, que le voile soit déchiré, que le voile soit déchiré, et que ta lumière, oh mon Dieu, moi, embrasse cette maison, embrasse ce lieu, que ta lumière illumine ce lieu. Père, je prie, mon Dieu, moi, oh, nous voulons voir ta lumière, nous voulons voir tout ce qui est caché dans cette maison, exposer que la lumière de Dieu expose une chose. Parce qu'il y a écrit que les ténèbres règneront partout. C'est la fin des ténèbres. C'est la fin, oh, du règne des esprits méchants dans cette maison. Dans la vie des occupants de cette maison. Seigneur, je prie maintenant, papa. Oh, papa, descends. Que ton feu descende. Que ton feu descende. Que ton feu descende. Fais descendre ton feu. Que la flamme du Saint-Esprit embrasse ce lieu. Seigneur, viens nous conduire. Conduis-nous, papa, dans le moment d'exhortation. Conduis-nous dans la suite du programme. Conduis-nous dans la prière. Je te prie, Seigneur. Manifeste ta puissance, Seigneur. Oh papa, je prie qu'il se paie encore des vies, qu'il se paie encore des guérisons. Papa, par l'acte que tu veux poser, Seigneur, c'est que tu veux rassembler toutes les populations de ce quartier autour de ton bien-aimé, afin de former, papa, cette bergerie que tu viendras chercher. Oh, à ton retour, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Je pense qu'on va prendre, on va faire le moins d'exhortation comme dans le commissaire. Je ne sais pas un moment tout ça là. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Tout à l'heure, on va certainement faire ça après. Nous allons prier. On va prier. Le bien-aimé, quand il disait tout à l'heure, il disait qu'il allait à l'enterrement au village et que c'est au bout du qu'il a vu un petit bouton. Un petit bouton, c'est comme ça, c'est le signe. Voilà, c'est comme ça. Alors, le bouton vient pour montrer que l'opération a été déjà accomplie dans le monde associé. Et nous allons prier. Il déclare que l'enchantement de la divination ne peut rien contre Israël. Autant maintenant, on demandera à Jacob quel est l'œuvre de l'éternel dans ta vie. Nous allons prier, nous allons révoquer, nous allons conjurer tous les mauvais sorts qui étaient lancés contre sa vie. Et avant de faire ça, on va demander pardon, Seigneur. Peut-être il est tombé dans quelque chose. Dieu lui parlait, mais n'a pas fait attention à la voix de Dieu. On va demander pardon. Que le Seigneur lui fasse grâce, lui pardonner vraiment du péché qu'il a, du péché qu'il a commis, qu'il a ouvert la porte au monde des ténèbres et qu'ils ont accès à sa vie. Prions et supplions le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus,
Je parle devant toi. On parle devant ton serviteur devant toi. Seigneur, nous demandons pardon, Seigneur, pour la vie. C'est tellement la Seigneur Jésus, c'est tellement que tu l'as fait avec ton vie. Seigneur, tu as fait la jeunesse de mère supplier qui n'a pas compris. Seigneur, quand tu es Dieu, Seigneur, tu as attendu longtemps, papa, parce que tu as décidé de jour, papa, je suis Christ. Alors, c'est à cause de nous, quand tu as reçu la parole, nous avons accepté tout. Pardonne-le, Seigneur, je te traite de tout le temps que tu crois. Papa, c'est à cause de Seigneur Jésus. Seigneur, fais grâce. Oh, Seigneur, fais grâce. Papa, oh, Seigneur, ta miséricorde. Papa, oh, je te prie, maintenant, ta volonté à son écran. Quel que soit le péché, oh, qu'il a pris des cas, fais la part. Seigneur, péché, Seigneur Jésus, pardonne-le, Seigneur. Il ne veut pas être vu dans la maison. On a dit les produits, les marabouts, tout ça. Les mixtures, les pains, les bouteilles, les âmes, tout ça. Est-ce que vous n'avez pas ça dans la maison? Tu n'as plus de gris. Alors nous allons prier. Nous allons prier. La Bible dit dans le livre de Proverbes 26, le verset 2, que la malédiction sans cause n'a point de fait. Puisque Jésus-Christ n'a déjà pas l'a justifié, alors où est la cause de la malédiction? Où est la cause de l'envoûtement? Nous allons prier. Comme tout envoûtement, tout mauvais sort qui a été lancé tôt, le monde de la sorcellerie, nous allons détruire ce pouvoir d'envoûtement. Cette parole qui a été prononcée pour dire que lui, il va mourir dans la maladie. Il va vivre des douleurs atroces. Il va demander la mort. Mais la mort va s'élever jusqu'à ce qu'il soit déprimé tout à l'heure. Nous allons débloquer toutes ces paroles. Je prie maintenant au nom de Jésus pour que chaque fois que tu en joues, malédiction, prononcée sur sa vie, qui crée cette maladie, par la puissance de Jésus. Je prie maintenant que ces malédictions soient nulles et sans effet. Soit annulée maintenant. Soit annulée maintenant. Soit annulée maintenant. Soit annulée maintenant. Soit annulée au nom de Jésus. Je prie maintenant que ces malédictions soient annulées. Que leur force. Sois annulé, sois brisé au nom de Jésus. Je prie maintenant, oh roi, que cette malédiction, Nous allons détruire tout ce qu'ils ont utilisé pour l'envoûter. Que ce soit l'autel sur lequel ils ont fait les incantations, que ce soit les instruments, que ce soit leurs couteaux, que ce soit les palais, tout ce qu'ils utilisent pour pouvoir envoûter, nous allons demander qu'un feu dévore, le feu qui dévore toutes choses, descend pour consommer toutes les œuvres, les instruments d'envoûtement qu'ils ont utilisés pour l'envoûter. Prions au nom de Jésus. Je prie par le nom de Jésus. Je prie le fait de pouvoir de localiser tous les instruments, tous les outils d'envoûtement qui sont liés.
J'ordonne que le feu les consume, que le feu les consume. Tout hôtel sur lequel ils ont fait leur invocation, on t'envoie là où tu je combat. Que le feu descende pour construire, 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 que le feu descende pour construire. J'ai encore prié, là où ils ont mis son âme, tout repère, tout cage, toute prison, tout calme, toute bouteille dans lesquelles ils ont caché son âme, pour qu'on puisse voir l'état, briser cette cage, pour libérer son âme, au nom de Jésus. Oui, mais je sais, c'est le marche. Tout lieu. Tout bouteille, toute calebasse, tout arbre dans lequel l'âme est liée vertement, je sais, Son pied original, dans ça qui est là. Donc là où ils ont pris son pied même pour attacher, nous allons prier que la puissance du Saint-Esprit localise son pied qui est volé, qui est changé contre un autre pied. Nous allons prier que la puissance du Saint-Esprit localise son pied maintenant et que l'ange de l'Éternel aille chercher son pied. Ramène son pied original maintenant et qu'il soit complètement restauré. Prions au nom de Jésus que tu es dans sa vie. Je prie maintenant. Tout lieu, son pied original, là où son pied original a été emprisonné, a été emprisonné. Je prie, Seigneur, que les anges brisent les personnes dans ce lieu. J'empêche d'âme de Dieu. Et brise la montagne. Au nom de Jésus. Nous prions que ton pied revient maintenant. Nous prions, nous ordonnons que ton pied revienne. Nous ordonnons que ton pied revienne. Nous ordonnons que ton pied revienne. Nous ordonnons que ton pied revienne à la vie. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'est comme si le Seigneur me montre que son pied est comme si ils ont mis pied de poulet. Voilà. Pied de poulet. Et son pied même est dans une bouteille. Dans le monde de la sorcellerie. Nous allons arracher ce pied de poulet. Amen. Nous allons arracher ça. Amen. Et jeter. Amen. Et
casser la bouteille dans laquelle se trouve son vrai pied. Amen. Et nous allons replacer son pied. Amen. Par la puissance de Jésus-Christ. Amen. Par le nom de Jésus. Nous saisissons l'épée à double tranchant maintenant. Ce pied de poulet qu'on a placé. Je coupe ce pied. Je coupe le pied. Je coupe le pied. Je coupe le pied. Je coupe le pied. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier maintenant que là où se trouve sa vraie jambe, son vrai pied, dans une bouteille, dans le monde de la sorcellerie, que la puissance du Saint-Esprit localise maintenant la bouteille et que la bouteille soit cassée. Au nom de Jésus, nous allons prendre son pied et venir la remplacer. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions la puissance du Saint-Esprit. Oui, son pied original est revenu. Alors, dans son pied original, je proclame qu'il n'y a aucune plaie. Amen. Aucune plaie dans son pied. Le pied que Jésus lui a créé, ce pied-là est restauré. Ce pied original est restauré. Alors, je prie maintenant le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Enlève maintenant la plaie. Cette plaie est restaurée. Au nom de Jésus. Je proclame maintenant. Je proclame la guérison. Maintenant. La guérison. Maintenant. La guérison. Au nom de Jésus. Maintenant même tu reçois la douleur descend. Maintenant, ça descend. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Descend. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça descend. Je ramasse toutes ces douleurs. Au nom de Jésus. Je ramasse tout maintenant. Au nom de Jésus. Et je jette dans les arbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus. Le venin qui est injecté dans ce pied. Dans cette jambe, par le nom de Jésus, le venin qui est jeté dans son corps et qui a créé des gangrènes et qui a rongé tout son pied, par le nom de Jésus, le sang de Jésus-Christ, je ramasse maintenant tout ce venin, je le ramasse, par le nom de Jésus, je ramasse tous ces venins qui rongent maintenant son pied. Je ramasse. Ça sort par la puissance du Saint-Esprit. Je les ramasse. Ça sort par la puissance du Saint-Esprit. Ça sort par la puissance du Saint-Esprit. Ça sort par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Et je jette dans les âmes. Au nom de Jésus. On a dit qu'il n'y a pas de pouvoir sur lui. Et je prie maintenant. Je lui injecte maintenant le sang de Jésus. J'injecte maintenant le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans son corps. Le sang de la guérison. Le sang de la paix. Le sang de la conscience. Maintenant, reçois de ce pied. Reçois le sang de Jésus. Tu 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 reçois le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je suis comme le sang de Jésus te guérit. Cette plaie est couverte par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Cette plaie est couverte par le sang de Jésus. Cette plaie est couverte par le sang de Jésus. Cette plaie est couverte par le sang de Jésus. Les douleurs sont disparues. Les douleurs sont disparues. Au nom de Jésus. Et maintenant, tu reçois maintenant la guérison. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Maintenant, tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Par le nom de Jésus. Jésus te fait marcher. Jésus te sort de la paralysie. Par le nom de Jésus. Jésus te sort de la paralysie. Jésus te fait marcher. Tu marches dans le sang de Jésus. Tu marches dans le sang de Jésus. Tu marches dans le sang de Jésus. Tu poses désormais tes pieds dans le sang de Jésus. Tu poses tes pieds dans le sang de Jésus. Tu marches. Par la puissance, marche. Que le sang de Jésus. Et la douleur disparaît. Tu marches dans ce pied. Tu marches dans le sang de Jésus. Et la douleur disparaît. La douleur disparaît. La douleur disparaît. Et la douleur disparaît. Dans le sang de Jésus. Et la douleur disparaît. Tu marches. Dans le sang de Jésus, les douleurs sont disparues. Dans le sang de Jésus,
C'est la douleur qui disparaît. Tu marches. Tu poses tes pieds dans le sang, tu marches. Et tu écrases. Nous allons demander que le Saint-Esprit le couvre comme une voix. Que le Saint-Esprit le couvre pour l'amener maintenant au laboratoire. Amen. Pour le restaurer comme au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, amène-le dans le laboratoire céleste. Amène-le dans ton laboratoire. Seigneur, opère sa chirurgie. Opère sa chirurgie. Oui, Seigneur. Opère-le maintenant. Opère-le maintenant. Opère tout sa jambe. Toute sa jambe. Tout son pied, Seigneur. Opère-le. 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 Que la maladie disparaisse. Opère-le et que la maladie disparaisse. Opère-le que les violets disparaissent. Opère-le, Seigneur. Opère-le, Seigneur. Opère-le, Seigneur. Seigneur, restaure. Seigneur, tu restaures maintenant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui. Ok, on fait ça d'abord. On fait ça d'abord. Voilà la puissance du Saint-Esprit. Où est-ce que tu as reçu le bouton? C'est à quel niveau tu as reçu le bouton? C'est là qu'il y a un bouton. Voilà la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. La balle qu'on a lancée, qu'on a tirée dans sa colonne vertébrale. Ah, et qui a déclenché le processus de Dieu dans votre Jésus. Je suis le sang de Jésus. Pour neutraliser tout ce qui a été détruit, pour restaurer sa vie. Seigneur, je te prie que tu le guérisses complètement. Que les douleurs disparaissent. Que les douleurs disparaissent. Que les douleurs disparaissent. Parce que ta présence apporte la douceur. La douceur peut partir du fruit de l'esprit. La douceur, c'est Dieu. La douceur, c'est Dieu. La paix, c'est Dieu. Je te prie de communiquer la douceur. La douceur dans tout son corps, dans toute son âme, dans tout son esprit. Au nom de Jésus. Que cette banque soit totalement ôtée. Au nom Seigneur, dès que nous allons descendre au Bénin, qu'il nous appelle avec cri de joie pour dire, hey, votre Jésus m'a guéri. Amen. Seigneur, tu l'as fait à Bartimée, tu l'as fait à Lazare, tu l'as fait à l'homme paralytique qui a passé 35 ans à Bethesda. Seigneur, tu l'as fait à cette dame qui coule du sang depuis 12 ans. Seigneur, aujourd'hui, c'est le tour de Timothée. Tu le fais maintenant. Son témoin sera grand. Oh, regarde ce qui va se passer. Oh, Seigneur Jésus,
par ce pied, il va parcourir ce quartier, il va parcourir cette ville pour annoncer que Jésus-Christ est Dieu, pour annoncer que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est le Dieu de toute chair, le Dieu de tout âme, le Dieu de tout esprit. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, c'est toi qui le fais et tu l'as accompli. Gloire à ton nom. Alléluia. Pendant la prière, tu sentais, qu'est-ce que tu as senti de différent? Alléluia. Et ton pied, comment tu sens la douleur actuellement? Des fois, ça me fatigue, mais aujourd'hui même, ça va quoi. Alléluia. Alléluia. C'est que Jésus, le poids qui m'intéresse. Ok. Alléluia. Le Seigneur, tu vas témoigner tellement. Amen. Alléluia. Tu vas voir la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, de Dieu, nous bénissons vraiment le Seigneur, cette belle famille qui nous a accueillis. Voilà, notre bien-aimé. Il a accepté Jésus-Christ et aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour parce que en ce moment même, le ciel est en train de fêter. Parce que la Bible dit que lorsqu'un seul péché se répand, c'est tout le ciel qui se met en joie. Donc nous bénissons le Seigneur et le Seigneur a déjà accompli, commencé à accomplir de grandes choses dans cette maison. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.